quand il naît, c'est au bout de 3 mois, 3 semaines et 3 jours. C'est toujours 3, 3, 3 les heures. Et un cochon, normalement, entre un cochon de Bayeux, que vous me disiez tout à l'heure, Jérôme, l'éleveur de cochon de Bayeux ici, à Saint-Germain de Martilly, et lui, il dit que les cochons de race de port de Bayeux, entre 12, 14 tétines, mais souvent les cochons entre ça, 14, 16 tétines. Vous voyez bien, moi j'en ai que 6. Quand j'ai passé aux grosses têtes avec Philippe Bouvard, il m'avait dit vous êtes pas normal, vous avez que 6 tétines. Mais les femmes cherchent toujours la 7e. 2, 4, 6, 7. Il dit mon Dieu, il dit t'as un bon qui dit. Bon voilà. Donc je vais vous faire la naissance, l'allaitement, la mort du cochon. C'est comme ça. C'est parti. Il y en a un qui a tout compris, il suit ça. Vous avez vu? Il est tout beau. Sachant que je suis bien, parce que là, je suis pas en concours, donc. Chaque tétine, chaque petit cochon quand il naît, garde la même tétine. C'est dans le réel, ça. Chaque petit garde la même tétine. Et c'est parti. Un deuxième. Oui. C'est beau. Hein. Et quand ils allaitent, ils font comme ça. Mais c'est pas fini. Il y en a encore. C'est beau, hein? J'ai vu, c'est beau. Ah, regardez. Et il y en a encore un. Et voilà. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, chaque petit garde la tête. Oui, mais là, il y en a que. Vous avez vu, hein? Il n'y a que trois en haut, mais il y en a un autre en bas, là, ça peut le faire. Et ça fait comme ça. Quand c'est la montée de lait, les petits vont comme ça. Vous avez vu? Et même la montée de lait. Hein. Et c'est de l'eau. Et on finit par avoir du cochon. C'est comme ça.